Salut les amis, alors j'espère que vous avez la patate parce qu'on va attaquer un gros truc aujourd'hui puisque je vous avais promis de faire une étude complète sur Still Loving You de Scorpion, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'ai mis un petit peu de temps parce que vous avez vu, depuis le confinement j'ai fait pas mal de leçons débutants, facile, une nouvelle méthode, donc ça m'a pris un petit peu de temps parce que je fais une leçon par jour, donc mais là je vous avais promis de faire cette chanson, donc c'est ce qu'on va faire en détail, vraiment une étude approfondie de cette chanson de Scorpion. Donc tout d'abord, c'est une chanson qui est longue, assez longue, donc je l'ai divisée en 5 parties pour qu'elle soit plus facile à l'étude. Et je vous mettrai les tags des parties dans la description et même en commentaire pour que vous accédiez directement à la partie que vous voulez étudier. L'avantage de ce genre de chanson, c'est de ce genre de musique en tout cas, c'est que vu qu'il y a plusieurs parties, on peut s'amuser si on veut, si on le joue au piano, qu'on ne le chante pas en même temps, on peut s'amuser à jouer les parties un peu dans l'ordre qu'on veut et c'est un gros avantage. Même s'il faut quand même respecter un minimum l'introduction, tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse aussi, si vous voulez le fichier MIDI de ma version avancée que vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous mettrai d'ailleurs la vignette en fin de vidéo. Si vous le voulez, il n'y a pas de problème, vous allez sur ma page Facebook, vous regardez dans messagerie, vous m'envoyez un message et je vous envoie directement le fichier par la messagerie, c'est ce qui est le plus simple. Allez, c'est parti, on commence par l'introduction. Alors, pour ce qui est de l'analyse harmonique, on a un sol mineur avec une basse qui descend au début jusqu'au mi bémol. Ensuite, on a un mi bémol majeur 7 et un D7. Ça, c'est pour l'harmonie. On va le jouer comme ceci. Alors ici, moi, je place des appoggiatures. En détail, on va voir ça en détail, les appoggiatures. Première appoggiature, deuxième et troisième. On rejouera exactement la même chose de la main droite, mais par contre, on va renforcer sur le deuxième passage. On va le jouer deux fois l'introduction. Sur le deuxième passage, on va renforcer les basses. Alors je note que sur la dernière appoggiature, sur le ré septième, je place la septième que sur la redescente. Hein. Voilà pour la partie introduction. Ensuite, on va attaquer donc la partie A. Alors pour la partie A, au niveau harmonie, on a un sol mineur, un La majeur et un D7. Donc c'est assez simple hein, au niveau harmonie. Et par contre, au niveau des arpèges, on va utiliser cette formule-là. Voyez, sur l'accord de Sol mineur, j'utilise une basse de Ré. Et sur l'accord de La majeur, l'arpège sera normal. Mais on viendra chercher le do dièse ici. Et sur le ré septième, le D7, on jouera pas la septième au début. Par contre, on fera cette petite descente. Et cette partie-là, on va la jouer deux fois. Donc là, je vous la fais avec la main droite. Thank you.
jouera deux fois. Alors moi, j'enrichis un petit peu à la main droite, mais vous pouvez faire que la mélodie. Là, je vais vous refaire un passage de la partie A avec que la mélodie à la main droite, sans enregistrement. Donc ça, c'est selon votre niveau, vous voyez, hein. Moi, je vais vous faire ma version maintenant, ce qui correspond au fichier MIDI, hein. Voilà, là se termine la partie A. Alors pour la suite, on va attaquer le bridge. Le bridge, donc, on va le jouer comme ceci. C'est une partie instrumentale. Voilà pour le bridge. Alors si on fait une analyse harmonique du bridge, on a exactement la même harmonie que l'introduction. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. En revanche, on va le jouer comme ceci. Et on le rejouera. Encore une fois, pour la main droite, ça ne change pas. En revanche, on va envoyer de la force sur la main gauche. Alors moi, il m'arrive aussi de mettre des appoggiatures sur ce passage. C'est-à-dire que je le fais comme ça. Et voilà pour le bridge, ce bridge qui reviendra d'ailleurs par la suite. Alors si on reprend dans l'ordre, on a donc l'introduction, la partie A, le bridge, une reprise de la partie A, et après la partie A, on a la partie B. Donc cette partie B, je vous la joue maintenant. Et donc à la fin de la partie B, je vais rejouer le bridge. Donc pour la partie B, on a un accord de sol mineur, ensuite mi bémol majeur, EB, si bémol majeur, fa majeur. Ces quatre accords, on va les répéter encore une fois. Ensuite, on a un sol mineur, suivi d'un C5, un ré majeur. Ensuite, on a un sol mineur qui revient avec une basse qui descend. Ensuite, on a un mi bémol majeur 7 et un D7. Alors comme ça donne rien, mais quand on le joue, thank you.
Et à la fin de la partie B, comme par hasard, hop, on va repartir sur le pont, sur le bridge, qu'on va rejouer exactement à l'identique, comme la première fois. Donc pour cette partie B, je vais essayer de vous le faire lentement et de façon simple, pour bien que vous voyez la mise en place des deux mains et l'harmonie. Et après, selon votre niveau, moi je vous montre un exemple, hein, mais selon votre niveau, vous pouvez jouer soit plus de notes, soit moins de notes à la main gauche, à la main droite. Donc là, je vous fais de façon le plus simple possible pour que vous voyez bien la mise en place. Et on attaque le bridge. Là maintenant, je vous joue ma version que je fais pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est la même que sur la version MIDI. Et ça continue sur le bridge. Donc là, on a vu l'introduction, la partie A, bridge, reprise de la partie A, partie B, et on met directement le bridge ensuite pour revenir à la partie A. Ça, c'est si on suit le morceau d'origine qui est très long. Maintenant, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est introduction, partie A, ensuite bridge, partie A, reprise de la partie A, et partie B, et après la partie B, directement la dernière partie, la partie C. Donc la partie C, c'est la partie la plus rock, celle qui a le plus de patates. Il faudra vraiment envoyer de l'agressivité des deux mains. Et je vais vous le faire maintenant, et après on fait une étude dessus. Donc la partie C. Quelques petites erreurs, mais c'est pas grave, vous voyez de quelle partie il s'agit. Donc sur cette partie là déjà, on a un avantage, puisque c'est au niveau harmonique, c'est exactement la même chose que la partie B. On a le sol mineur, le mi bémol majeur, le si bémol majeur et le fa. Et cette partie là donc, on va la jouer quatre fois d'affilée. Et moi, ce que je fais, c'est à partir de la troisième fois, je vais diminuer un do pour arriver à la fin, hein, pour rejouer ensuite au choix soit l'introduction, soit le bridge. Alors je vais vous le jouer de façon simple pour que vous voyez la mise en place. C'est pas la partie la plus dure de la chanson, par contre c'est la partie la plus agressive, qu'il faut jouer la plus forte, hein, surtout au début. Donc je vais essayer de vous le faire lentement pour voir vraiment que vous voyez bien la mise en place. Tout d'abord, la main droite commencera toute seule. Alors, pour ce qui est des basses, elles sont un peu difficiles à placer rythmiquement, mais c'est ce qui va vraiment vous rajouter une touche. C'est un niveau plus difficile, mais c'est vraiment ce qui va vous rajouter une touche
qui ramène un peu à la version d'origine. Donc vous avez vu, c'est assez particulier. C'est un Fa et un octave demi bémol. Et donc on le jouera 4 fois. Alors moi personnellement, je préfère finir sur l'introduction que je joue dans les aigus à l'octave. Mais après ça c'est vous faites comme vous voulez, vous pouvez enchaîner les parties comme vous voulez. Faut rester un peu logique hein, par rapport à la musique, mais bon, vous n'êtes pas obligé de jouer la version d'origine qui est quand même assez longue. Voilà. Donc pour ce qui est de l'introduction, je finis comme ça. Enfin du moins le final. Et on finira sur un accord mineur, sol mineur, la tonalité d'origine. Et voilà, vous avez le morceau en entier, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que j'ai été clair sur toutes les parties. Alors c'est d'un niveau avancé, hein, c'est pour ça que je ne vais pas trop dans les détails non plus. C'est pas fait, si vous avez un niveau moyen, je ne vous conseille pas ce morceau qui est long, avec plein de parties différentes. Ça représente à lui tout seul 2 morceaux. Donc c'est vraiment plutôt pour ceux qui sont habitués, qui ont quand même un certain niveau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est assez costaud comme morceau, vous avez vu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, vous posez vos questions et je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.